Si est-il le premier voyage hors des États-Unis que va faire Meghan Markle depuis plus de 2 ans. D'ici la fin de la semaine, le prince Harry devrait atterrir aux Pays-Bas, à l'occasion des Invictus Games, cette compétition internationale de vétérans. Pendant 7 jours, le frère du prince William assistera à cette compétition célèbre. Mais apparemment il ne serait pas tout seul. En effet, Meghan Markle devrait l'accompagner à la haie. Si de nombreux médias britanniques se demandaient si la maman d'Archie et de Lilibet serait présente lors de cet événement sportif, nos confrères du Daily Mail ont confirmé sa venue aux Pays-Bas. Selon une source proche du couple, la duchesse de Sussex sera bel et bien aux côtés de son époux pour les Invictus Games. Si le couple a déjà voyagé à l'intérieur des États-Unis, ce sera la première fois que Meghan Markle se déplacera hors du pays américain, depuis maintenant 2 ans. Les raisons? La pandémie mais aussi sa grossesse qui ne lui autorisait pas à faire de longs voyages. Mais ce voyage a déjà fait grincer les dents de nombreux Britanniques. En effet, le 12 mars dernier, le prince Harry a fait polémique lors de la publication d'une vidéo dans laquelle il faisait la promotion des Invictus Games. Un voyage qui ne passe pas très heureux sur les images, le prince Harry n'a pas fait l'unanimité, notamment parce que quelques heures auparavant, son porte-parole annonçait qu'il ne participerait pas à l'hommage national, organisé en l'honneur du prince Philippe, le 29 mars dernier, à l'abbaye de Westminster. Alors que toute la famille royale ainsi que des milliers de Britanniques étaient présents, il manquait donc que le duc et la duchesse de Sussex. La population lui en veut énormément.